Ces événements se déroulent entre 5h et 6h du matin. On est presque arrivé sur les quais. Bien sûr, Jack. On vous envoie des renforts. Ils seront bientôt là. Prépare-moi un hélico. Je vais voir si je peux aider Jack. Tony, je peux vous dire un mot? Quoi? Kate Warner est là-bas. Comment ça? Elle nous a téléphoné il y a un peu plus d'une heure et demie. Elle est au large de Port Sokol. Elle est sur le bateau de Max? Jack est au courant? Non. Je ne vous comprends pas. Vous savez aussi bien que moi que Kate Warner est une pièce maîtresse dans cette affaire. Alors réfléchissez un peu et cessez de suivre bêtement le protocole. On peut se poser là-bas! Et salut toi d'Arthur d'écran, c'est Gamaliel, j'espère que ça va comme tu veux, ça commence très fort, je me fais tirer dessus alors que je viens même pas de me poser, bordel. On se retrouve pour la, j'espère, dernière putain de partie de ce follow sur 24. Je fais cette vidéo à la suite de l'épisode 22, l'épisode 23. Donc autant dire que je suis passablement saoulé. Mais bon, j'ai des mules, il fait jour, j'ai des gilets pare-balles. Mais la précision est toujours autant à chier. Espérons que Chase soit moins golio et se soit acheté un cerveau entre temps. Voilà. On récupère des mines parce que je sens qu'on va en avoir besoin. Eh, pas mal. Mais sur PlayStation 2. Moi je précise. Mais pas mal, donc, pas mal. Ah mais putain, c'est sympa le speed screen, c'est stylé, mais les gars, ça fout un bordel monstre dans mon écran, quoi. C'est pas les coups. On va passer par là. Je comprends pas ce qui se passe en fait. Je comprends rien ce qui se passe. Et putain, genre je peux pas me cacher derrière ça. Je voudrais savoir comment je peux pas. Des visées de merde. Mais je fais hit par qui là, putain de taras. C'est un truc de ouf. L'autre connard, il serait pas foutu de débuter, non? Connard de merde. Chase de mes deux. Mais le SWAT, on est vachement utile. Ah, chef, je suis tout seul, chef. Putain de mon gueule. Allez, bougez là! Putain, j'ai un Goliot, maintenant j'ai deux Goliots. Je sens que cette mission, puis la mort. Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu le sens, bordel? Ah ouais. Et si je passais devant toi quand tu tires? C'est tellement une bonne idée! Arrêtez de faire ça, putain! Putain, c'est ouf quoi! Ah, t'es en plein gunfight? Si on splitait l'écran. Non, sérieux. Non, faut arrêter deux secondes le délire, quoi. Putain, tu peux pas le savoir avant de crever au moins une fois. Je suis pas prévenu, tu vois, ou je sais pas, ou... Désactivez-le, faites un truc, quoi. Putain. Alors, précision de merde. Et toi, tu peux pas prendre ce putain d'hélicoptère, là, avec la mitraillette? Les groupes d'assaut de la cellule antiterroriste seront là dans 30 secondes. C'est ça qui est ouf, quoi. Bien sûr. Tu sais, visée de merde, plus speed screen, plus tout ce que tu veux. C'est une bordel de merde, quoi. Ah, vas-y, genre. Putain, mais un réticule blanc sur un ciel blanc. Ils sont pas sérieux, les mecs. Ils sont pas sérieux. Je t'assure. Hein. C'est dingue. Le mec peut des fourrer un 2-2. Directement passer par là. Je
On va viser de ce côté-là. Non, non. Ah, faut viser légèrement à droite du mec. Il y aurait du lag en multi, quoi. Non, ça, c'est mes potes. Putain, pas foutu de ton mec qui est dans le dos, quoi. Alors, attention. Ça sent la connerie. Non. Pas bien sûr. Et le E8 ne meurt pas. Je suis à côté d'une explosion, genre derrière la foot. Votre speed screen. Ah, votre speed screen à la con. Ah, j'ai plus de mine, j'ai vu Madsen, donc ça c'est forcément un combat de boss. Où sont les mecs? Voilà. Ça rame à mort, c'est la fête du slip. La PS2 est à deux doigts de crever. Ok, il y a un mec là-bas. Ah, j'ai l'impression de jouer à Call of, quoi, tu sais, et mon équipe aime ça, hein, quoi. Part soit dessoulé. Non mais... Moi, j'ai officiellement plus de mun. Hein. Bon, il y a Hogan. C'est n'importe quoi, faut que j'ai Hogan, quoi. T'imagines le dire? Putain... Forcément, le mec du SWAT. Il est mort. Vu que c'est des cons. Bon. Est-ce que je vais arriver à quelque chose caché ici? Non mais... un truc de ouf. Là, je suis obligé, j'ai plus de mine. Hein? Un fusil à pompe? Bon, je crois pas, mais vas-y, je teste. Ouais, c'est pas ce que je pensais. Tu vas me faire croire que les mines que j'ai récupérées, c'était une fusée à pompe. Mais c'est pas sérieux. Là, il y a un mec là-bas au fond, je l'ai même pas vu. Toi. Lui là. Bon, forcément. Je peux pas l'avoir, ça sert à rien. Ce jeu là est bidon, quoi. Ça, tu sens la fin bâclée ou pas? Regarde! Oh, j'ai visé quand même, gros. Ouais, bien sûr. Ouais. Je recharge. Mais y'a un mec qui spawn à l'infini ou quoi? Oh, c'est juste, je peux pas le tuer. J'ai plus rien. Je suis quoi exactement? Je peux rien faire. Ok, M4 peut-être. M4. Je recharge. Je sais d'avoir M4, mais bon. Chase, allez nettoyer le bateau, bah, okay. Avec le groupe d'assaut. C'était dans les objectifs, ça? Tu l'as vu ou pas? Est-ce que t'as vu qu'il fallait abattre tous les hommes ou... Non, je m'en fous. Jack, faudrait mieux que vous laissiez tomber. Vous êtes seul, désarmé. Vous n'avez aucune chance, Jack. C'est à cause de cette fille? Comment elle s'appelle? Kate? Vous êtes là pour elle? On s'est bien occupé d'elle ici. Et vous savez, vous l'avez bien formée, Jack. Elle sait quand se taire et prendre ce qu'on veut bien lui donner. C'est un mongol, Jack, ou quoi? Ça se passe comment, en fait? Allez! Arrêtez. Allez, qu'on se balle! Mais oui, bien sûr. On se balle, quoi. J'ai 11 putains de balles. Il me reste quoi? Pistolet, il me reste 7 balles. Fusil à pompe 3. M4, ok. On va prendre la santé. Putain...
Je vais jouer tactique, hein. Je vais me faire enfler direct. Parce que forcément. Voilà. C'est ce que je disais. C'est cool. C'est pas tranquille, salaud. Bon, c'est qui me tire dessus? C'est lui? Non, forcément, c'est des mecs. Tu veux que je fasse comment? J'ai 11 balles. À l'heure où on parle, j'ai la saveur de 11 balles. Vous êtes pas sérieux, putain. Mais ouais, et arrête de buguer comme ça quand t'es accroupi. Ouais, il y a 7 balles. Attends, comme il est sévère, je te le dis. Et merde. Une balle. Ok. Allez, 7 balles de gun. Putain. C'est chaud, je veux dire. Je peux rien faire. Je peux strictement rien faire. C'est des salauds. Des gros cheaters. Hop. Ah, je me concentre. Je sais que c'est chiant parce que je peux pas rusher, je peux rien faire. Mais là, j'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Parce que sinon, je vais me prendre une bullshit dans la gueule. J'ai pas trop envie, tu vois. Je suis à peine à découvert, par exemple, là, tu vois. Je reste en joue. Je peux pas me planquer. Il y a un point rouge là-bas au fond. Putain. Hein? Ouais, putain. Si moi aussi je suis un gros con qui sait pas viser, qui voit pas les mecs. Là-bas. Tu vas te calmer. Non, là-bas. Putain, l'enfoiré. Là-bas, la vanne de là-bas, j'ai déjà fait, dans le pré-start d'ailleurs. C'est marrant. Ou encore. Bon, de toute façon, c'est un sac de cul, il va pas aller bien loin, Madsen. Est-ce que je peux faire headshot? Non. Headshot, bonne chose. Ça peut être ça? Ok. Centre. Il y a encore plein de points rouges qui vont se faire un plaisir de venir me défoncer la gueule. Donc, on n'a pas à sauvegarder, qui n'a pas trop ce soin, qui n'a pas de gilet pare-balles. Mais j'ai des munes. Ça, c'était tellement prévisible. Hop, headshot. Lui, je peux headshot ou pas? Oh là là! Oh là là! Hein? J'ai dit qu'il me sort du bullshit là. Il y a un mec qui est bullshit là, il est où? Sur le bateau? Ou y'a un sniper là-bas? C'est quoi, je rush, je ramasse des munitions, je sais quoi? Ou c'était Madsen? C'est Madsen qui me met la pression. Madsen me fait des coups de pression? Il fait le malin, Madsen? What? Pour rien. Il y a d'autres mecs, non? Il y a un mec qui tire. Ah, ok, d'accord. Ouais.
Ouais, je suis en stress. Hein. Crois-moi. Vous croyez que c'est fini, Jack? Vous pensez que je suis fichu? Ça aura ma mort. Vous vous trompez. Putain. Tu sais comment ça a ramé à mort? Il m'aurait sorti une connerie? J'étais mort. Ok. Quoi, il va falloir ouvrir la porte, il y a un autre bateau, ça se passe comment? Il est où? Il m'attend là-bas? C'est cool. Ok! D'accord, c'est cool! C'est vraiment super sympa de me dire ce qu'il faut faire quand c'est fini. En fait, ils ont un peu bâclé à la fin parce que t'as plus d'objectif, ils disent plus rien. Le mec se barre en bateau, t'es là, tu fais oui, bon alors est-ce qu'il y a un bateau, est-ce qu'il y a un truc? Non, non, Madsen s'enfuit. C'est ok. En fait, t'as l'objectif une fois que tu l'as raté. Non! Oh mais non, tu te fous de ma gueule, vas-y. Oh là là, comment c'est lourd dingue. Oh la haine. Oh comment c'est la haine. On peut voir de l'adrénaline, c'est vachement utile. C'est vachement être utile. Je suis touché. Ouais, aussi très. Allez, on récupère une enfouie de corps, blablabla. Évidemment. Ils font bien le gros jump cut des familles. Parce que c'est long et chiant à faire. Alors je pense que c'est encore plus long et chiant à regarder. En fait, l'adrénaline, ça s'use. Ça s'utilise comme une trousse de soins. Renforce momentanément la résistance. Ok. C'est bien d'apprendre ça lors de la dernière mission. C'est vachement utile, tu vois. Bon, encore comme les fusils à pompe, quand c'est eux qui les ont, sont cheatés. Hein. Elle a un boss efficace, quoi. Moi, le fusil à pompe, je veux pas faire ça à cette distance. Hein. C'est totalement impossible. Juste par contre, comment le détruire le bateau? Tu vois comment toi ou pas? On va observer. Détruisez le bateau rapide. Je vois comment. Tu rentres dessus, tu penses? Je sais pas. Vous croyez que c'est fini, Jack? Vous pensez que je suis fichu? Vous vous trompez! Putain de bordel de merde, c'est quoi cette merde? C'était ça? C'était juste ça? Putain, c'est tellement n'importe quoi. Et c'est tellement n'importe quoi. Et bah genre Madsen dans le but de Comas. Ouais de ouh, t'as un bateau, t'as fait un détour, tout est fait ken. Fallait être loin mec. N'importe quoi. Mais c'est pas fini vu qu'on il est 5h30. J'avais tranquille là. Hein. Ouf. Ouais c'est ça. Ouais. Le mec il se met avec une boule. Ouais, si on suit une petite session. On a trouvé Max. Il a enlevé Kay. De tir en hélicoptère. On est fichu ici. Allons-nous-en. Et la fille alors? Je vais m'en occuper. Elle a commencé sur un bateau. On a réussi à trouver d'autres infos sur Max. Ça finira sur un bateau. C'est un trafiquant d'armes qui a des liens au Moyen-Orient.
Il traitait avec plusieurs organisations terroristes. Mais quand le gouvernement américain en a eu vent, il s'en est mêlé. Les deals ont capoté. Et comme Max n'a pas pu livrer, ils l'ont forcé à assister à l'exécution de ses propres enfants. Drôle de façon de revenir aux États-Unis. Je vais tenter de me poser sur le bateau. Approche-moi le plus possible du pont. Inutile de te poser. La cellule. Que tous les hommes s'apprêtent à les accueillir. Oui, monsieur. Bon, c'est que sur un bateau, ça va. Normalement. Du moins, je l'espère. Allez, chargement. En qui ? En qui ? Vite. C'est quoi ce chargement ? On pouvait déjà voir le... Dégager une zone inter... Ah oui ! Mais quelle rapidité pour viser ! Ouais, ouais. Ah, tu peux pas viser en fait, t'es... Ok. Mais le truc explose 2 ans après. L'hélicoptère a une barre de vie. Oh, il reste un mec là. Oh, il a bugué. Je vais quand même 2 secondes sur le... En mode de... Ouais, j'en ai à foutre, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu, eux quand même, ils sont pris une... Ils sont pris des balles à plus pouvoir, mais non. Hein. Je roule toujours les faces comme ça. Je le dis souvent en vidéo. Parce que tu ne peux pas te cacher, tu vois. Tu peux pas dire attends, je reprends de la santé. Ou je joue un peu plus stratégiquement, tu vois. Il reste encore un ou deux. Pas assez de précision, tu vois. Ah non, trop de dégâts. Ah, il y a même pas un stade de précision, t'as vu, ils sont pas trop méchants. Alors que ce serait gérable, je pense, d'avoir une bonne précision avec l'hélicoptère. Saute! Tire au pigeon. Allez! Cette fois-ci, c'est la fin. Fin du fin. C'est plante à fin? Oui, on va. Direct, un mec au fusil à pompe! Genre il est mort, je le prends quoi. Ils ont des gilets en plus. Justement. Les mecs ont des gilets. Il est mort lui. Ah bon. Ouais. Tranche. On fouille le corps, on a trouvé un quoi, un gary. Oh, oh, oh. Donc c'était quoi? Il y avait pas un mec aussi hein. Moi je récupère tout hein. T'inquiète pas. Je vais me blinder. Forcément on va descendre jusque dans la cale. Je connais les délires. C'est pas ça ? Ouais. Allez, on va penser une mission. Je recharge. Putain mais... Je suis fan. Je suis fan de la visée. Jusqu'aux dernières minutes du dernier épisode. Je ne le répéterai jamais assez. Comment crever. Putain. Ça, c'est du cul. Je vais tout de suite. Adrienne, ça peut servir. Je le dis. On charge. Sérieux? Quoi leur délire? Encore. Et qui c'était les couilles? À nous! C'est notre! Non?
Bah je suis pas rando mais dans le doute. Ouais c'est bien. Ah là là. Vous avez pas une AM4 les mecs? Ça me ferait plaisir. Vraiment. Ok. Bon, décalage quoi. Bon, 3 balles, je vais pas aller loin. Fusée à pompe. À pompe? À pompe. Ouais, c'était quoi l'arme? C'était un grey, pas un garry. C'était un peu, mais bon. Oui, j'ai trouvé un garry. Non, je vais ramasser les mules. Oh, une M4, une M4, une M4. Ah, M4. M4 utilisé avec parcimonie. Récupère ça, ça peut servir. Trousse de soin. La porte. Ça, c'est un M4, ça me fait plaisir. Le mec était caché derrière le moniteur, attention. Caché derrière la télé en douce. Il est 53. C'est-à-dire qu'on se rapproche du dénouement de cette aventure et du plus long follow que j'ai jamais fait. C'est étrange comme. Jack, chapeau Max. Il doit se diriger vers ce hors-bord. Il désintègre. Il faut l'empêcher de sortir. Couvrez-moi. Bien sûr. C'est quoi, on va prendre de l'oreille, on m'en fout. Voilà. Pour la fin. Ça fait comme un sort de gilet pare-balles quoi. Ça peut être dans tous les sens. Prends ta tête. Je fais les zinguer. Oh, c'est rouge. 30 secondes. Merde. N'approchez pas. Il n'y a aucune issue. Rendez-vous. J'ai pas trop compris. Ok. C'était pas très 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 cinématographique comme intervention, mais bon, on a sauvé Kate et on a tué Max, il me semble. Ennemi tué, tiens la tête, tout ce que tu veux, c'est magnifique. C'est cool. Voilà. Jack. Ça va? Oui, ça va. Tout ira bien maintenant. Jack! Jack! Ça va, je vais m'en sortir. Vous emmener à l'hôpital. Non, ça va, c'est pas très grave. Il faut qu'on aille à l'hôpital tout de suite. Bon bah écoute, c'est fini. Il y aura sûrement un truc après le générique. Un sac carré, Quinto. Ah oui. Écoute, bon, je veux pas être de mauvaise foi. Malgré les dernières missions qui ont été très chaotiques, ça reste un bon jeu. Alors, je préfère non, c'est de la merde juste parce qu'ils ont bâclé un peu la fin.
Non, ça reste un bon jeu. On est quand même sur PlayStation 2 et on a beau être à l'époque de la PlayStation 4, la Xbox One, etc. Ça fait plaisir de jouer à ce genre de jeu. Et il mériterait, tiens, de ressortir en HD, voilà, tiens. Vraiment, on refait à 9. Avec du 60 images par seconde, ça serait sympathique. Et non, non, je me suis vraiment bien éclaté. J'ai ragé, forcément. J'ai pesté contre la visée, c'est vrai. Mais voilà, globalement, non, je me suis amusé. C'est pas forcément simple, entre guillemets, de faire un jeu maintenant PS2, de faire un let's play, comme on dit, sur PlayStation 2. Donc faut trouver le bon jeu. Et en fait, bon, tu sais quoi, je monte un peu n'importe quoi, coquillard. Je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Je comptais faire 24, parce que je l'avais acheté pas cher d'occasion. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est marrant, autant de faire un follow sur PS2, j'en ai pas encore fait. Il y en aura d'autres sur PS2, parce qu'il y a un jeu que j'ai envie de faire sur PS2, qui sera de meilleure qualité. Et voilà, après, c'est vrai que c'est... Au niveau la mise en place, c'est vrai que c'est chiant, parce que voilà, bon, je tourne vraiment sur PS2. Elle fait un boucan de ouf, tu l'entends pas, parce qu'après, je corrige le son, mais peut-être que des fois, tu l'entends. Elle souffle, bah, un truc de ouf. Pour la capture, c'est un peu la merde. Tu penses bien. Donc voilà, c'est pas forcément simple. Je pense qu'à l'avenir, possiblement, je vais capturer les jeux PlayStation 2, les jeux PlayStation et PlayStation 2. Je pense que les capturer sur PS3, d'un point de vue, c'est plus simple pour moi en fait. Au niveau de l'enregistrement, au niveau de la mise en place, c'est plus simple. Bon, c'est vrai que moi, mes consoles sont pas dans un grenier, dans une cave. La PS2, je l'ai pas mis de côté, elle est toujours là, toujours branchée. Donc ça va, je peux y jouer facilement. Mais c'est vrai que bon, niveau capture, c'est un peu plus chiant que la PS3. Donc je verrai. Pour un souci d'authenticité, c'est vrai que je préfère tourner sur les consoles originales. Quand j'en ai la possibilité. Et aussi du coup avoir mes sauvegardes. Parce que tu penses bien que là, si je faisais 24 sur PS3, j'aurais la sauvegarde sur une carte mémoire virtuelle sur la PS3. Tu vois ? Genre un jeu physique, mais tu vois, j'aime pas ça. Là, j'aime ma sauvegarde sur ma vraie carte mémoire. Ça me fait plaisir. Un grand merci à toutes les maisons de localisation et au studio d'enregistrement. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Voilà. Et si t'as été jusqu'au bout de ce follow, que je pense vraiment plus gros en termes d'épisode, en termes de durée, hein, même si le follow Watchdog. Attends, follow Watchdog c'était une. Ah, peut-être pas, faudrait que je calcule en heure. Watchdog c'était 8 ou 9 épisodes, mais c'était une heure et demie à chaque fois. Là, on avait 24 épisodes avec le pré-start. 24 épisodes, mais qui font. 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes. Voilà, je pense quand même qu'on est devant. Si du coup tu as subi ce full entièrement, ce qui m'étonnerait, parce que bon, c'était un peu compliqué, hein, je veux dire, regardez, c'est pas forcément très rythmé, etc. C'est un avoc le moteur physique. Ok. Je te remercie, parce que il faudra du courage pour se faire ce full entièrement en tant que spectateur. J'ai essayé vraiment de faire des parties très courtes, comme t'as pu le voir. Après, c'est le jeu qui s'y prête. Sur mon prochain follow, ça va être compliqué. Là, je coupais voilà heure par heure, donc c'était très simple. Le prochain follow, ça sera un peu à moi de choisir quand je coupe, mais je pense pas dépasser 30 minutes. C'est aussi l'avantage de ne pas avoir de coupure. Là, c'est un épisode, donc s'il est court, c'est bien. S'il est long, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Que le prochain follow. En fait, y'a rien du tout. D'accord. Bon, bah écoute. Que le prochain follow, par exemple, je pourrais couper quand je veux. Donc, voilà, je pourrais, à mon avis, 30 minutes, je pense que c'est bien 30 minutes. Ce point pour un follow. Surtout que moi je fais pas de cut dedans, ou rarement. Là je pense en avoir fait dans cet épisode parce qu'il était un peu chiant. Pareil, le précédent, je pense aussi que j'en ai fait. À l'heure actuelle, j'ai pas encore monté les deux derniers épisodes. Mais je pense que le 22, je pense que je vais cutter parce qu'il est très long. Hein. Je crois qu'il fait pas de 50 minutes. Donc je pense que je vais cutter. Mais voilà, tout ça pour dire, je te remercie si tu as regardé entièrement le follow de A à Z. Et puis voilà. Voilà, c'était marrant, je suis quand même éclaté à le faire, c'est un bon jeu. J'ai plus grand chose à dire à part donner rendez-vous pour un prochain follow le week-end prochain. Donc samedi prochain, il n'y aura pas, d'habitude il y a le pré-start le samedi et maintenant on enchaîne sur le follow le dimanche. Là, il y aura directement l'épisode 1.5 qui va arriver parce que le pré-start a déjà été tourné. Il a déjà été uploadé. Donc comme d'hab, je ferai la précision de façon le week-end prochain. Le prestart sera dans la playlist du nouveau follow. Donc tu commenceras par le prestart si tu ne l'as pas vu. T'enchaîneras sur l'épisode 1.5. Voilà.
Donc je te donne rendez-vous samedi prochain pour le prochain follow, ça sera sur PlayStation 4, donc de toute façon il n'y a plus tellement de secrets. À moins d'une problème technique d'ici là, mais ça sera sur PlayStation 4. Et quant à moi, je vais te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon l'heure à laquelle tu as regardé cette vidéo. Et n'oublie pas, car moi je n'oublie pas, à la prochaine, tchuss.